Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre première vidéo 2024. Donc comme vous le savez, j'avais posté la première du Yoga Niari. Comme vous le savez, du coup, j'ai ouvert un studio en ligne Meraki Flow. Donc vous retrouverez les liens en barre d'infos si jamais vous voulez regarder. Et donc on avait commencé l'année sur ce studio par un Yoga Niari, une vidéo de yoga, une pratique de yoga par jour tout le mois de janvier. Et donc j'ai été pas mal occupée, mais je ne vous délaisse pas. Je vais essayer vraiment de garder YouTube sur deux vidéos par mois, avec déjà du coup les 90 je crois vidéos que vous avez déjà. Donc on s'y remet, je ne vous oublie pas, c'est promis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apolline Yoga Pumeraki et je suis professeure de yoga Vinyasa Hatha Eyi. Je vais vous laisser vous installer confortablement sur votre coussin, sur un bloc un petit peu redressé, de manière à bien pouvoir avoir le dos droit. Ok, on s'installe correctement. Donc aujourd'hui pour notre pratique, on va venir travailler nos salutations au soleil avec plusieurs modifications. Ces salutations au soleil en douceur, le nom de notre pratique. Donc vraiment, allez-y tranquillement, écoutez votre corps, connectez-vous à vos sensations et allez-y avec fluidité pour vous faire du bien, pas aller contre votre corps, mais travailler vraiment avec votre corps. On va venir par un centrage, vous pouvez détendre un petit peu les tensions au niveau des épaules si vous avez besoin, en les roulant un petit peu vers l'arrière, vers l'avant. On ferme les yeux, mains sur les genoux. On laisse à présent les omoplates vers l'arrière et vers le bas. Et on respire tranquillement par le nez pour commencer. À chaque inspiration, votre colonne se grandit, vous vous étirez vers le ciel. À chaque expiration, vous vous relâchez un peu plus. Vous vous détendez, votre front, vos sourcils et vos yeux se relâchent, les pommettes, les joues, la mâchoire. Relâchez toutes les tensions que vous pouvez avoir physiquement, mentalement. Acceptez de lâcher prise, d'utiliser cette pratique pour faire du bien à votre corps. Venir faire des demi-cercles au niveau de la nuque, inspirez. Expirez le menton à la poitrine. Inspirez tout doucement, on va venir rouler la tête sur la droite, l'oreille à l'épaule. On ouvre le côté gauche de la tête. On expire, on revient. Inspirez à gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez à gauche, étirez-vous tout doucement, échauffez votre nuque encore deux de chaque côté. Allez-y avec votre respiration, ne forcez pas. On essaie vraiment de dénouer les tensions, pas d'ancrer de supplémentaire. Super, et on inspire, on se redresse, on peut ouvrir les yeux, lever les bras vers le ciel. On expire, la main droite sur le tapis, bras gauche sur la droite, on étire le côté gauche du corps. On se grandit, on ne referme pas dans le tapis, on ouvre la poitrine, on expire, on vient vers l'avant, on roule le dos. Main gauche sur le tapis, on inspire, bras droit vers le ciel. Expirez, roulez. Inspirez. Expirez, jouez avec votre respiration. Inspirez. Allez-y en douceur. Si comme moi, vous pratiquez le matin, on y va tranquillement. C'est normal d'être un petit peu rouillé au début. On prend de longues respirations pour bientôt relâcher. Et on expire, on revient. On inspire, on redresse le dos. Super. On peut enlever notre coussin, notre bloc. On va venir se mettre à l'avant du tapis et on va commencer nos salutations au soleil. Donc les salutations au soleil vont vous permettre à la fois de réchauffer le corps, de vous étirer, de gagner en force. Les salutations au soleil sont vraiment une pratique de yoga qui sont très 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 complètes et qui sont très bonnes pour à peu près toutes les parties de votre corps. On utilise des modifications, pourquoi ? On va utiliser des modifications dans le but de mieux écouter son corps, de mieux écouter sa force, de mieux écouter comment on se sent aujourd'hui, de mieux écouter notre souplesse. Le but, c'est vraiment d'utiliser des modifications en fonction de comment vous vous sentez. Les modifications, c'est pas j'utilise
la modification qui va paraître la plus facile au début, mais au bout d'un an de yoga, je dois rester sur la dernière. Pas du tout, ça dépend de comment vous vous sentez, ça dépend de comment se sent votre corps, et quand je dis comment vous vous sentez, ça veut dire émotionnellement, ça veut dire mentalement, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ce dont vous avez envie aujourd'hui. Donc on n'hésite pas, on va voir différentes modifications ici, et le but c'est vraiment de se connecter à soi et vraiment d'y aller à son rythme. On écarte, on soulève pardon, les orteils et on les repose un par un, bien en les écartant. On roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Tadasana, Samasthiti, notre posture de la montagne. C'est parti, on inspire, on lève les bras au ciel, on regarde vers les mains. On pousse les hanches vers l'avant, on n'ouvre pas le dos comme en hâte, on se grandit bien. On expire, on descend dans une pince. N'hésitez pas à plier les genoux au début. On inspire, on regarde devant soi, le dos bien droit. Les omoplates serrées, on peut plier les genoux, rentrer le bas du ventre. Et expirer en pince. Super. On va venir inspirer en planche et tout de suite poser les genoux sur le tapis. Et expirer. Hop, on recule un petit peu les genoux, on se relâche complètement à plat dans le tapis. On inspire, on redresse tout doucement les coudes serrés. Vous n'avez pas allé jusqu'au nombril, peut-être simplement le haut de la poitrine se décolle. On expire, on crochette les orteils en poussant les bras. Genoux écartés, la largeur du tapis. Les orteils jouent en posture de l'enfant. Respirez bien ici. On va faire 3 respirations. Dans chaque posture de l'enfant ou chaque posture du chien tête en bas. Super, on inspire, on se redresse un petit peu. On vient sur les orteils et on vient se redresser vers l'arrière du tapis. On roule les épaules vertèbre par vertèbre. On inspire, on revient, paume des mains tournée vers l'avant. Et on se ravance tout doucement à l'avant du tapis. Les pieds joints, inspirez, grandissez. Expirez la pince. Inspirez, on regarde devant soi le dos droit. On expire en pince. On inspire tout de suite, les genoux sur le tapis à 4 pattes. On expire, on relâche sur le tapis. On inspire, le haut de la poitrine se décolle. On expire, on pousse dans les mains. Notre posture de l'enfant. 3 respirations ici. À chaque inspiration, on se grandit. À chaque expiration, on fond un peu plus dans le tapis. Encore une. On inspire, on se redresse un petit peu sur les mains. On vient les ramener vers le genou, on crochette les orteils. On expire, on tend les jambes tout doucement. On peut les garder légèrement pliées. On redresse la colonne vertèbre par vertèbre. On roule les épaules en arrière, paume des mains tournées vers l'avant. Jouez avec cette répétition, on revient à l'avant du tapis tout doucement. On essaye de réchauffer le corps, de le grandir vertèbre par vertèbre. Encore une, inspirez. Expirez, n'ayez pas peur de la répétition. Inspirez, connectez-vous de plus en plus à votre corps. Expirez. Inspirez à 4 pattes. On expire, on se couche sur le tapis. On inspire, le haut de la poitrine se lève. Expirez, posture de l'enfant. Moi, personnellement, j'aime bien crocheter les orteils, puis les mettre à plat. Voilà, ça m'aide à partir vers l'arrière et ensuite je relâche. Encore 2 souffles. Étirez votre dos ici, ne restez pas passif dans votre posture de l'enfant. On inspire, on redresse sur les mains. On expire, on les ramène vers les genoux, on crochète les orteils. On déroule les jambes, on déroule le dos. Inspirez, grandissez. Et on se redresse. Tadasana à l'arrière du tapis. On revient à l'avant. On enchaîne sur une deuxième modification de notre salutation au soleil. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez, on pince. On commence de la même manière, on inspire, on grandit le dos. On expire, on pince. On inspire cette fois-ci, si c'est possible, on va dans notre planche. On expire d'abord les genoux sur le tapis, puis la poitrine. On sent les bras travailler, on se met à plat, on inspire jusqu'au nombril. Les omoplates serrées, les coudes serrés vers les côtes. On expire, chien tête en bas, on vient vers l'arrière sur les genoux. Puis on lève les fesses vers le ciel. On n'hésite pas, on pousse les talons vers le tapis. On a les omoplates serrées, la tête entre les bras. On engage le bas du ventre, on pousse les fesses vers le ciel. On se concentre sur notre dos en priorité. Puis on pousse les talons sur le tapis. Encore une fois, vous pouvez rester à notre première salutation, notre première modification. N'hésitez pas, encore un souffle. Inspirez, on vient à l'avant du tapis.
tout doucement en marchant, le dos bien droit. Expirez, pince. Inspirez, déroulez, bras vers le ciel. Expirez, m'ancrez au niveau du cœur, Tadasana. Inspirez. Expirez. Inspirez, levez. Expirez. Inspirez la planche. Connectez-vous de plus en plus, genoux, poitrine au sol. Inspirez jusqu'au nombril. Expirez, chien, tête en bas. Trois souffles ici. Pensez à votre dos en priorité. On pédale, on fait des mouvements si ça fait du bien. Et on inspire, on vient vers l'avant. On regarde devant soi le dos droit. Expirez. Inspirez, déroulez vertèbre par vertèbre, vers le ciel. Expirez, m'ancrer au niveau du cœur, Tadasana. On inspire. Expirez, notre dernière sur cette modification. Inspirez, regardez devant vous, dos droit. Expirez. Inspirez, planche. Expirez, genoux, poitrine au sol. On sent que les bras travaillent quand même. On inspire, on grandit jusqu'au nombril. Expirez, chien, tête en bas. Trois souffles ici. Respirez profondément. On va rester aujourd'hui bien sur des salutations au soleil. Ah, on est dans des salutations au soleil en douceur. On travaille tranquillement. Et on inspire, on marche à l'avant. On regarde devant soi le dos droit. On expire, on pince. Inspirez, déroulez. Bras vers le ciel. Expirez, main prise au niveau du cœur. Tadasana. Encore une fois, comme je le disais, on travaille vraiment en douceur aujourd'hui. On va venir faire nos salutations au soleil A avec différentes modifications comme notre chaturanga. N'hésitez surtout pas à rester avec cette variation, genou, poitrine au sol, à redresser en cobra. Comme je dis toujours, il vaut mieux prendre les modifications que de mal faire, de se faire mal au dos, de se faire mal aux épaules en essayant de faire la modification la plus difficile alors que ce n'est pas en adéquation avec votre corps aujourd'hui. Donc vous vous écoutez, vous n'hésitez surtout pas. On vient dans notre Tadasana, c'est parti. Trois salutations au soleil. Ah, inspirez. Expirez. Inspirez, regardez devant vous, dos droit. Cette fois-ci, on expire. Main à plat dans le tapis. Tout de suite, on vient dans notre Chaturanga. On plie les coudes. On inspire, on redresse en chien tête en haut. Les pieds à plat dans le tapis, les genoux ne touchent pas. Omoplate serrée, on se grandit, fessiers engagés. Expirez, chien tête en bas. Trois respirations ici. Respirez bien. N'hésitez pas à rester sur la première ou la deuxième, encore une fois, de modification. On inspire, on vient sur les orteils. On expire, on plie les genoux, on regarde dans les mains. On inspire, on essaye de faire un petit saut. Hop, les pieds entre les mains. On grandit le dos, on regarde devant soi. Expirez, pince. Inspirez, grandissez. Expirez, m'ancrez au niveau du cœur. Tadasana, inspirez. Expirez. Inspirez devant vous. Expirez, on vient tout de suite en Chaturanga ou alors on peut venir essayer de faire un petit saut. Donc on va venir plier les genoux, rapprocher les genoux de la poitrine, mettre les mains bien à plat dans le tapis. Petit saut Chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas fait le saut, ça n'a aucune importance. On y va tranquillement à son rythme. Encore une fois, salutation en douceur. En douceur avec son corps, avec respect. On inspire sur les orteils, on expire, on plie les genoux, on inspire, petit saut. Pieds entre les mains, on regarde devant soi. On expire, on pince. Inspirez, redressez vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. Expirez, m'ancrez au niveau du cœur, Tadasana. On en fait une dernière, je ne dis rien. Je vais faire à mon rythme. On se retrouvera dans notre Tadasana ici. Vous prenez la modification qui vous convient. Respirez profondément. Inspirez ensemble, c'est parti. Allez-y. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder un petit peu l'écran. En fonction si vous avez choisi la première ou la dernière, on va avoir un nombre de souffles qui est différent. Pour ceux qui ont choisi notre dernière salutation qu'on a vue, n'hésitez pas à rester 5 souffles en chien tête en bas pour rejoindre les autres. On va bientôt avoir terminé ici, respirez bien.
On inspire sur les orteils et cette fois-ci on expire. On va venir poser les genoux écartés de la largeur du tapis. Les gros orteils jouent, on vient dans une posture de l'enfant. J'avais dit qu'on se retrouverait en Tadasana, je suis désolée. On va se retrouver plutôt ici dans une posture de l'enfant. Super, on inspire, on amène les bras sur la droite. On étire le côté gauche du corps. On expire, on se relâche. Inspirez. Expirez. La main gauche à l'extérieur du genou droit. On inspire, bras droit vers le ciel. On redresse dans un twist, la poitrine vers la gauche. On expire, le bras en cactus derrière nous. Quelques souffles ici pour se détendre au niveau du dos. Inspirez, revenez. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, les bras sur la gauche. On expire, on étire le côté droit du corps à présent. Respirez bien. Détendez-vous. On va venir placer la main droite à l'extérieur du genou gauche. On inspire, bras gauche vers le ciel. On expire, on ouvre. Respirez bien, engagez le bas du ventre. On inspire, on revient. On expire, on relâche. Super. On va venir s'asseoir en tailleur sur le tapis. Vous pouvez fermer les yeux. Prendre quelques respirations, juste le temps de noter comment se sent votre corps, de noter la chaleur qui s'est créée, l'étirement dans tout votre corps, le dos, l'arrière des jambes à travailler, les bras. Les salutations au soleil sont des enchaînements de yoga qui sont incroyables pour notre corps. N'hésitez pas à en faire les matins au réveil. Juste 10 minutes, juste 5 minutes pour dénouer les tensions du sommeil, redonner de la vitalité, de la grandeur à votre corps. Aussi en fin de journée, ça fait un bien fou. À n'importe quel moment, les salutations peuvent être là dans votre vie, pour vous, pour votre corps. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Allez-y doucement. Merci à toutes et à tous pour cette pratique. J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.